très connu. Alors, bon, je recule. Plante ton fil parce que ça fait vraiment. Antoine, je passe dans le bêtisier. Recule encore. Ah ouais. Non, tu pousses pas. Ça fait un beau bêtisier. C'est moi qui ai poussé tout à l'heure, tu vas voir. Ouais, j'ai peur. Je peux t'envoyer le chien si tu veux. Il a l'air mignon. Hein, enfin, il a que l'air peut-être. Bon, concentre-toi. Pour un beau bêtisier, ça me fait. Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Antoine. Tu es bon. Troisième. D. Ouais. Parlons un petit peu de cette matinée, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, on est en train de répondre à des questions sur la pêche, sur ce lac. Sur le lac de Sezay. Avec Quentin Rier, qui est là. On a couru, puis on a cherché des réponses qui étaient mises sur des pancartes autour du lac. Et on a écrit, enfin, on a répondu à certaines questions sur la pêche. C'est quoi la difficulté là ce matin? C'est de courir. Puis en plus, il est chaud. Donc, si, il y a certaines questions qui se ressemblent, donc c'est difficile de différencier les réponses. Mais c'est des questions en français? Oui. Non, c'est des questions en anglais, ah, avec des réponses en anglais. Sur ça, c'est plus compliqué. C'est peut-être la difficulté là. Oui. D'accord. C'est le but de Buddy. T'as tiré, ça va, c'est ça? On va dire que oui. Non, mais ça peut aller, oui. Mais après, faut. Bon, au début, c'est plus compliqué, mais après, on assimile vite l'objectif. Et dans ton équipe, t'as aussi une personne d'été? De quoi? Dans ton équipe, tu as une personne britannique? Oui, deux. Deux? Oui, on en a deux qui, devaient écrire les réponses, voir les questions et les réponses. Et après, on va faire plusieurs autres activités, mais c'est nous qui devrons écrire les réponses. Et non, pas les questions sont déjà écrites. D'accord. Après. C'est bien ça, ouais, ça fait. On découvre comment parler anglais au quotidien avec des personnes anglaises. Enfin, c'est pas pareil qu'en cours, parce qu'en cours, on parle un peu français parce que tout le monde ne comprend pas. Et là, vraiment, d'avoir un contact avec, oui, avec une personne anglaise, ça change parce que c'est plus compliqué déjà. Puis après, c'est pas pareil. Ok.